à partir de 17 ans jusqu'à maintenant, c'est bon, toujours. Maintenant. Quand tu viens dans une famille que tu ne connais pas et tu es là, tu cuisines et tu attends d'être jugé, tu vois. C'est très difficile. J'imagine. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait que tu saches cuisiner. C'était une obligation, on va dire. Je me suis mariée, moi je ne mangeais pas ça avant moi. On mangeait que des frites, on mangeait que barbecue, on mangeait que ça. Mais après, quand je me suis mariée, ma belle-mère, elle cuisinait comme ça. Et moi, je ne sais pas. La première des choses, je n'aime pas. J'aime pas les tagines, j'aime rien. J'aime que le couscous ou comme ça, des frites. Ou frites. Frites, la viande. Comme ça, mais après c'était difficile pour moi pour manger, pour préparer. Sauf que là, oui, là, il faut que tu cuisines en plus pour quelqu'un d'autre aussi. Il faut changer à chaque fois, faut varier. Il faut manger aussi. Et il faut manger parce que si tu manges pas ça, il n'y a pas autre chose. Avant que je me marie, si il cuisine ça, je peux manger autre chose. Je peux manger des frites, Ce que tu veux dire, c'est ça, c'est ce que tu cuisines, il faut que tu le manges. Il n'y a pas de choix. Et pourquoi il n'y a pas d'autre choix alors? Tu peux pas faire plusieurs repas, plusieurs plats? Quand je suis mariée ou avant? Là, quand t'es mariée, t'es obligée. Mais ça, il faut manger ça. D'accord. Et pourquoi si t'aimes pas ça, tu manges pas. Alors, pourquoi ça a changé de avant, quand t'étais pas mariée, ta famille, elles avaient pas les mêmes... Ouais. Ok, c'est pas le même règle. Ok. Ah oui, il y a des habitudes, il y en a qui... T'as pas le droit de manger... Ouais. C'est évident. Ouais, oui. C'est vrai que c'était... Je pense que c'est dans toutes les familles. Ouais. Tous des règles différentes. Mais oui, c'est ça. C'est des règles. Je t'ai posé des questions, moi, du coup. Couscous. Couscous, t'as mangé ça petite. Couscous à quoi? Couscous, viande ou poulet, n'importe. Avec légumes. C'est ton plat préféré, petit? Ouais. Ces aubergines sont très, très fondantes. C'est qui te le faisait souvent, le couscous? C'est ta maman? Oui. D'accord. Ça t'a des souvenirs en particulier qui te rappellent... Des souvenirs d'enfance? Ouais. Comment t'as? Parce que je me suis mariée à 17 ans, alors je ne me souviens pas. Trop de ma jeunesse. Oui, c'est dans ces... T'es encore jeune. T'es encore enfant. Salé. Café. Dessert. Poisson. Chaud. Un fruit. Un riz. Petit déj. Et pour toi, est-ce que ce plat est équilibré, Jamila? Est-ce qu'il est de l'équilibre alimentaire? Ah ben oui, il y en a là. Pommes de terre, aubergine, féculents, aubergine, légumes, et viande hachée, protéines, et poisson, double féculent, et double féculent avec le riz, et double protéine avec les pois chiches. Ouais. Surtout que c'est vraiment bien partagé. Hein. Il y a... Ouais. Je crois que c'est... J'ai vu différents trucs, je crois qu'il y en a qui disaient c'était un tiers féculent, un tiers protéine et un tiers légumes, et il y en a c'était demi légumes, et après c'est un quart. Comme te disait Mathis, en gros, c'est vrai que pour qu'un plat soit équilibré, il faut qu'il y ait à peu près un tiers de protéines, un tiers de féculents et un tiers de légumes. Et puis après, il faut finir avec un fruit ou un laitage, pour bien finir son repas. Ouais. Et est-ce que c'est important pour toi l'équilibre dans l'assiette? Oui. Ouais. Tu fais attention à ça? Oui. Ouais. À chaque fois, oui. Même des fois, j'ai mis des rondelles de... Tu m'en parlais du petit déjeuner tout à l'heure. Toi, tu disais tu prends un café et tu prends le matin. Ouais, c'est tout le temps. Ouais, j'aime pas manger le matin. Et quand t'as le temps le week-end? J'ai pris l'habitude comme ça. Je mange pas trop. Ouais. Et tu prends une collation du coup à 10h? 10h, oui, c'est parce que si je fais hypo, je me sens fatiguée. Ouais. J'achète dehors parce que j'ai pas le temps. Le week-end, tu fais quoi par exemple? Le week-end, café. Il n'y a que le dimanche parce que samedi je travaille. Le dimanche, je prends du pain ou du Nutella avec un café.
C'est la fête. Ouais, c'est... Et elle se fait un plat de frites. Ouais, c'est ça. Que des frites. D'accord.